dévouement. Un petit don de 50 capsules prouvera l'importance que vous accordez à votre développement personnel. Vous allez recevoir des radiations pendant la procédure. Alors il vaut mieux être en parfaite santé avant de commencer. Du coup, je me suis fait avoir... Ok, bon, bon bah écoute, je vais baisser 50 capsules. Bonjour, vous êtes bienvenue sur Connected Gaming, tout ça, tout ça. Vous êtes sur Fall 4. Donc c'est installé là. Maintenant, elle est où ta chaise débile? Elle est là. D'accord, ils ont vraiment déménagé. Vas-y, envoie la sauce. Ok, je verrouille les neurotiques. Il y en a tellement. Qu'est-ce que vous avez fait pour en avoir autant? Les rayons Zeta sont en train de les dissoudre. Enfin, une bonne partie. Et c'est terminé. Pour le moment. Il vous reste encore beaucoup de séances. Félicitations. Vous êtes maintenant AHS1. Ça veut dire... Notre nouvelle recrue. Bienvenue, AHS1. Avez-vous décidé d'engager le combat contre vos neurodines? Nous ne demandons qu'une modeste contribution de 100 capsules pour cet alignement. Vous allez recevoir un peu plus de radiation que la dernière fois. Je veux être sûr que vous êtes en bonne santé pour l'alignement. Je pensais qu'on était amis. On va pas parler d'argent entre nous, quand même. C'est vrai, nous sommes amis. D'accord, mais c'est la dernière fois. Prenez place dans l'aligneur Zeta. Ouais, je suis aligné, mon gros. Avec mon armure, ça me fait genre le mec trop gros. Trop penché en arrière. Je suis bourré. Fais-moi ça gratis. Rangez, file-moi un verre. Il saute ma gueule. Toto fiche ma gueule. Il se fiche ma gueule. Toto fiche ma gueule. Je vais faire chauffer les rayons. Toto fiche ma gueule. Arrête de tout fiche ma gueule. Alors, fais-moi passer HZ43-1 à 2. En fait, de 1 à 2. J'ai accumulé au moins autant que ce que j'avais enlevé l'autre fois. Vous devriez songer sérieusement à changer de fréquentation. Et c'est terminé. Pour le moment, il vous reste encore beaucoup de séances. Beau travail à HS2. Mais vous devrez encore recevoir de nombreux traitements, bien entendu. Les neurodines s'accumulent au contact d'individus infectés. C'est pour ça que nous vous conseillons de fréquenter exclusivement d'autres ubologistes. Salut. Vous vous en sortez bien à HS2. Lors de votre dernier alignement, j'avais remarqué des relations malignes avec les oppresseurs. C'est très difficile à traiter. Mais un don de 250 capsules devrait faire l'affaire. Évidemment, les doses de radioactivité seront un peu plus élevées. C'est pas tellement un problème. Nous pouvons commencer. Alors placez-vous dans l'aligneur Zeta. Je fais du pognon gratuitement pour rien. Je vais faire chauffer les rayons Zeta. Les neurodines sont verrouillées. Les rayons Zeta les détruisent. Et c'est terminé. Pour le moment. Il vous reste encore beaucoup de séances. C'est officiel. Vous êtes maintenant à HS3. Félicitations. Cool. Je suis trop content. Alors, faut combien que je te si donne de billets? Besoin d'un alignement, vous savez où me trouver. Pardon. Bien sûr. Heureux de vous revoir à HS3. Je veux dépenser mon pognon. Il est temps de procéder à un nouvel alignement. Nous allons traiter les neurodines enfouies plus profondément. Vous devrez faire un don de 500 capsules. Les rayonnements sont puissants. Vérifiez bien que votre taux d'irradiation est au plus bas. Nous pouvons commencer. Alors placez-vous dans l'aligneur Zeta. Nous vous sommes éternellement reconnaissants. Je vais faire chauffer. Nous ne serions pas sur le chemin de la rédemption qui nous est destinée. Oui, bon, on s'en fout, Fifi. Casse-toi. Moi, je suis occupé à claquer mon pognon pour me faire irradier. C'est trop yimbe. Les neurodines sont verrouillées. J'adore les regarder s'agiter avant de mourir. Et c'est terminé. Pour le moment. Il vous reste encore beaucoup de séances. Bravo. Vous voilà à HS4. Je me souviens du jour où j'ai atteint ce pas. Ah, que de bons souvenirs. Hey. Heureux de vous voir à HS4. Vous progressez rapidement. Le Père Étoile est très impressionné, j'en suis certain. Il faut sonder plus en profondeur et vous allez recevoir davantage de radiation. Pour cet alignement, j'accepterai un don de 1000 capsules. Nous pouvons commencer.
Alors placez-vous dans la ligne Urzeta. J'ai du pognon, c'est pas grave. Allez. Je vais faire chauffer les rayons Zeta. On va tester. On va aller jusqu'au bout du truc. Les neurodynes sont verrouillés. Ils sont plus actifs qu'à la normale. Et voilà, ils ont tous disparu. Et c'est terminé. Pour le moment. Il vous reste encore beaucoup de séances. Vos progrès sont impressionnants, HS5. J'ai rarement vu quelqu'un monter aussi vite. Hey. L'heure d'un nouvel alignement est-elle déjà venue à HS5? Vous allez bientôt recevoir la bénédiction du Père Étoile. Si je pouvais vous conseiller une chose, ce serait d'attendre un peu. Votre ascension est trop rapide. Cette fois, nous allons sonder encore plus loin, avec des radiations encore plus fortes. Un don de 2500 capsules devrait faire l'affaire. Nous pouvons commencer. Comment ça coûte un peu d'argent? Placez-vous dans la ligne Zeta. Regarde, t'es un mec qui commence, t'as envie de tester, t'as envie de voir le délire. T'es un peu séché quoi. T'as intérêt d'être un requin de la vente. Allez tonton. Allez Phil, dépêche-toi avant que tu te prennes une balle dans la bouche. T'as intérêt de gagner un truc à la fin parce que sinon tu vas tellement crever mon gars. Les neurodynes sont verrouillés. 25%, 50%, 75%. Et c'est fini. Et c'est terminé. Pour le moment, il vous reste encore beaucoup de séances. Le grade HS6 implique de nombreuses responsabilités et privilèges. Peut-être que Dara voudra bien nous dire lesquels. Un jour. Hé. Hey. Déjà de retour à HS6? J'ai dit à Dara que votre ascension était trop rapide. Même esprit purifié n'a pas été promu aussi vite. Il économise depuis des mois pour son prochain alignement. Mais je suis sûr que vous n'aurez aucun mal à faire le don de 5000 capsules. Easy life. Ils vont commencer. Alors placez-vous dans la ligne Zeta. Easy life. Ça m'a quasiment rien coûté. Ah, 50 capsules, 5000 capsules. Moi, je vous cache pas que c'est un peu pareil pour moi. Hein. Même si là j'en ai que 72 000 sur moi, je m'en ai caché près d'un million à domicile. Donc ça va. Et bugger pendant longtemps, t'as prévu? Il réfléchissait à par où il pouvait passer. Parce que c'est, il avait le choix de passer par en fait là ou là. Les neurodynes sont verrouillés. Le processus est terminé. Vous vous en sortez plutôt bien. Vous avez atteint le grade HS7. C'est très impressionnant. Mais je me suis même pas fait raser. HS7 moi aussi. Mais j'aurais dû être promu à HS8 depuis longtemps. Dara n'est pas pressé de me faire monter en grade, on dirait. Pardon. Je ne peux pas vous aider. Il m'a fallu des années pour atteindre le rang d'HS7. Et pourtant, Dara refuse de me promouvoir au rang supérieur. Moi, son plus fidèle partisan. Mais vous, vous arrivez de nulle part et elle vous couvre de louanges. Elle va me remplacer, j'en suis sûr. Allez-y, allez voir Dara. Elle seule peut vous promouvoir au rang HS8. Oui, d'accord. Mais toi, par contre, bonhomme, t'as mon pognon. Oh, il a pas mon pognon. Ce jeu de bâtard. Ce jeu fait par des bâtards. Elle est où l'autre conne? Elle est là. C'était mieux d'avoir quelqu'un qui se bat. Vous venez pour votre prochain alignement, je présume. Personne n'avait jamais gravi nos échelons aussi vite. Pas même esprit purifié. C'est l'ultime mystère qu'il vous reste à découvrir. L'ultime alignement. Il ne peut y avoir qu'un seul à HS9. Vous ne pouvez pas dépasser le rang à HS8. Le don est de 10 000 capsules. La dose de radiation reçue sera critique. Nous pouvons commencer. Prenez place dans la ligneur. Ah. Nous devons achever notre mission avant que le monde ne soit broyé. Et si j'allais prendre une petite dose de rad? Parce que l'autre là il m'a rien donné, hein. Il m'a pas fait de cadeau en rad. Voilà. Donc le père étoile il est bien mignon, mais si ça avait été une goule, ça aurait été autre chose. Sois pas dégoûté, Phil. Ouais, Phil, je te sens salé, arrête! Ouais, ça y est, il boude. Il boude parce qu'il est pauvre. Alors que moi, je suis riche, je peux claquer 20 000 capsules pour des cons. La prochaine étape consiste à trouver et cibler les neurodynes. On dirait que ça marche. Les neurodynes s'enfuient et disparaissent. Et voilà, c'est fait. Vous êtes maintenant officiellement à HS8.
C'est la première fois que ça arrive dans notre petit groupe. Vous ne pouvez pas monter plus haut dans les rangs de l'ubologie. Il ne vous reste plus qu'à aller répandre notre bonne parole dans tout le Commonwealth. Salut. Je ne peux pas vous aider. Je ne peux pas vous aider. Ah oui, donc maintenant vous jugez, c'est juste vous me parlez plus quoi. C'est juste à vous faire foutre. D'accord. Ouais. Oui, c'est vraiment juste on t'a truandé tranquillement. C'est tellement excitant. C'est tellement excitant. Oui. Excusez-moi. Hein ? Ah ouais, c'est même pas un peu déguisé quoi, c'est... C'est bonjour, nous sommes des truands. C'est un sacré combat contre le robot. Un sacré combat. Oh, c'est même pas un peu déguisé. Bon bah vous savez maintenant, hein, c'est de l'arnaque. bon bah je l'aurais fait ou je peux récupérer une sauvegarde quand même. Je me sens un peu trahi comme ça. Oui bah oui, je peux reprendre à partir de là. Ok, très bien. Bah bon voilà, c'était le petit épisode sur les ubologistes et la technique d'arnaque ancestrale des hublots. Donc mettre des hublots chez soi, ça ne sert à rien. Vaut mieux mettre des fenêtres. Voilà. Des Velux, selon... voilà. Vous voyez le truc. Ou porte-fenêtre. Alors, ça, t'as mis mettre porte-fenêtre. Alors, glissante ou qui s'ouvre, je dirais de manière traditionnelle. Oh, sur... pas sur clanche, sur... sur gond. Voilà. Soit elle pivote, soit elle glisse. Plus pratique que de mettre des hublots. Le hublot, c'est pour l'eau. Retenez ça. Donc peut-être, allez, pour le style, dans votre salle de bain. Voilà, c'est tout. C'était Knarfang, sur comme d'habitude gaming. Pour... Attends, il y a un poteau. Pour un poteau. C'était Knarfang sur comme d'habitude gaming pour un poteau. À la prochaine. Et bisous.